Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Brésil sur le mythique circuit d'Interlagos pour vivre ensemble la 20e des 21 manches de cette saison 2017 de Formule 1. C'est sous le soleil que nous recevons les premières images du paddock, un Grand Prix qui va être très important pour la suite de cette saison puisque il ne reste que 50 points à prendre avant l'attribution du titre de champion du monde de Formule 1. Et qui de Van Dorn ou de Fernando Alonso repartira avec le Saint Graal? On le saura peut-être aujourd'hui avec un écart entre les deux pilotes qui est de 29 points. On devra attendre sans doute la dernière course de la saison. Ce sera à Abu Dhabi. En tout cas, pour l'heure, les pilotes se préparent. La première séance d'essais libres va démarrer ici sous le soleil au Brésil. Nous découvrons cette piste d'Interlagos en compagnie de Stoffel Vandoorne, le leader du championnat. Dans une saison toujours plus rocambolesque, on vient d'apprendre ce matin la confirmation de Sébastien Vettel et de Kimi Raikkonen pour l'année prochaine chez Ferrari. De quoi mettre fin à toutes les spéculations concernant l'avenir de Vandoorne et d'Alonso. On devrait retrouver le pilote belge, si tout va bien, de nouveau chez McLaren pour une troisième année consécutive. On terminera donc cette troisième année de contrat chez Van Dorn. Il avait une option, elle a été activée à l'issue du dernier Grand Prix. Peut-être de quoi redonner un petit peu d'énergie à son pilote puisque, rappelez-vous, si Stoffel Van Dorn devient champion du monde face à Fernando Alonso, sa valeur pourrait augmenter sur le marché avant de le voir peut-être partir pour d'autres horizons dans les années futures. Pour cette deuxième année pour le pilote belge, elle risque d'être marquée donc par un titre mondial. On va découvrir ça tout au long de ce week-end et du prochain, le dernier qui aura lieu à Abu Dhabi. Évidemment, on suivra ça avec attention. Bien entendu, vous aurez droit à l'évolution du classement en temps réel au fur et à mesure de ce Grand Prix. Fin du premier tour de découverte ici. Et vous vous doutez bien que du côté de cette première séance d'essais libres, on a travaillé sur la course avec des pneus soft et hard pour tout le monde. Et finalement, ce sont les deux McLaren qui se sont retrouvés en haut de la feuille des temps. L'objectif est bien évidemment la première ligne pour les hommes et d'Éric Bouillet, vous le savez évidemment. On enchaîne avec la séance qualificative de ce samedi après-midi avec, vous le constatez, les nuages qui sont venus s'inviter dans le ciel d'Interlagos au-dessus du circuit José Carlos Pache avec comme prévision du sec, pas de pluie annoncée lors de cet avant-dernier meeting. Vous voyez 26 degrés et des nuages mais peu d'humidité finalement dans l'air. Aujourd'hui on va voir donc ce que cela nous réserve. 3 séances de qualification, 3 tours à effectuer pour réaliser la meilleure performance possible. Avantage évidemment aux Ferrari. Alors les Ferrari sont bien placés pour que l'année prochaine on retrouve nos amis de la Scuderia en bonne posture. Mercedes également, on sait que Mercedes a signé de nouveaux contrats également pour l'année prochaine. On y reviendra au niveau du Grand Prix, mais pas mal d'équipes ont de nouveaux sponsors pour 2018. Stoffel Vandoorne qui poursuit donc ce premier tour alors que Romain Grosjean s'empare du temps le plus rapide en 1 minute 12. On va tourner normalement en 1 minute 10 pour les pilotes les plus véloces, voire 1 minute 9 dans certaines conditions si la piste peut se réchauffer. On est déjà en 1 11 6 pour Alonso qui va tout de suite se mettre en sécurité avec un chrono valable dans cette Q1. 18 minutes pour se hisser parmi les 16 premiers l'année prochaine. On a également une confirmation d'un éventuel rachat de Manor par un constructeur qui ferait son retour en Formule 1. Mais vous le savez, les rumeurs vont bon train entre les différents Grands Prix. Et avant ce Grand Prix-ci, Aston Martin a également déclaré qu'il ne voulait plus s'appliquer autant que prévu. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça pendant le Grand Prix. Allez, c'est terminé pour Stoffel Vandoorne qui signe le quatrième temps de cette Q1. Derrière un très véloce Max Verstappen qui pour une fois va quitter la Q1. Q1 qui sera marquée par la perte des deux voitures de l'équipe Force India et de l'une des Manor. Ni Esteban Ocon ni Sergio Perez ne seront donc passés par le cap de la Q2. Début de cette Q2 avec, vous voyez, le blocage de roue dans les S de Senna pour Stoffel Vandoorne, toujours autant de nuages dans le ciel. Romain Grosjean de nouveau à son affaire. Les As qui terminent
très très bien leur année. En tout cas, on a constaté chez Haas la bonne forme de la voiture en cette fin de saison. Attention, Stoffel Vandoorne qui est allé très très au large. Alors il ne sera pas pénalisé pour cette manœuvre, rassurez-vous. Le tour sera toujours validé puisqu'il a été sur le vibreur et l'astroturf et non pas au-delà des limites de la piste. Alors qu'il y a beaucoup de trafic dans ce deuxième segment de qualification. Daniel Ricciardo en 1-12 s'empare du meilleur temps. Un chrono qui sera à mon avis facilement battu dans les prochaines minutes par ses adversaires. Et attention également au Williams avec notamment Felipe Massa, le régional de l'étape qui pour l'instant n'a pas de chrono dans ce deuxième segment de la qualification. Va-t-on voir les Williams en Q3 ? Ça ferait du bien aux pilotes de l'équipe de Claire Williams et de Franck, mais pour le moment, l'équipe britannique semble un peu en retrait et ça ne va pas en s'améliorant peut-être pour l'année prochaine. Voilà, la fin du chrono pour Vandoorne et c'est le meilleur temps en 1:11.965. Et bien voilà, pour Stoffel Vandoorne, ce sera le meilleur temps, mais il va chuter. Même Hamilton a pu passer en pneu médium. Les deux Haas terminent aux portes de la Q3. Esteban Gutiérrez a pu placer à la 13e place sa Manor devant, donc, je le disais, Felipe Massa qui a pu en toute fin de séance rentrer un chrono valable, mais ça n'était pas une performance mémorable devant son public pour le Brésilien. Les Brésiliens, il en sera question également dans l'avenir de la Formule 1. On parle du retour d'éventuellement Felipe Nasser au sein de l'équipe Manor qui serait donc rachetée par un constructeur britannique bien connu. Il s'agit de Jaguar. Jaguar pour effectivement racheter Manor et revenir dans l'aventure. Alors effectivement, il y a pas mal de contrats de sponsoring qui vont également se jouer pour l'année prochaine, notamment dans les constructeurs principaux de ce championnat, notamment Ferrari, qui pourrait changer de fournisseur de carburant. Ça n'a pas été évoqué, mais ça a fait l'effet d'une bombe parce qu'on sait que Shell, le partenaire de Ferrari, est là depuis de nombreuses années. Et donc, on craint pour l'avenir de la Formule 1. Une chose que l'on pourra vous évoquer aussi, c'est la réglementation 2018 qui sera améliorée, notamment au niveau des moteurs. Mais on vous en reparlera tout de suite pendant le Grand Prix. Je vous explique un petit peu tout ce qui sera intéressant de savoir pour l'année prochaine parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements techniques et visuels dans l'année qui suivra cette saison. Mais on n'en a pas encore fini avec 2017. On va rester sur ce qui nous intéresse, la Q3 avec Stoffel Vandoorne qui signe à 1:11.0. Très très belle performance du pilote belge, mais ça ne sera pas suffisant pour aller battre non pas son équipier mais bien Kimi Raikkonen. La Ferrari est en forme, on vous l'a dit, et les deux McLaren sont prises en sandwich devant Vettel, Bottas, Verstappen et Hamilton. Voilà donc pour cette Q3. -24 degrés pour ce jour de course dimanche et vous découvrez le nom du driver of the day du Grand Prix du Mexique, Kimi Raikkonen, qui a remporté ce Grand Prix de Mexico d'une main de maître après pas mal de faits de course. On espère qu'on aura droit à un Grand Prix plus calme, même si à Interlagos c'est rarement une partie de plaisir. Le tracé justement de ce Grand Prix se dévoile devant vous avec, vous le voyez, 15 virages, 2 zones de DRS avec 2 points de déclenchement. Et surtout, eh bien, une condition météo assez indécise. On risque d'avoir peut-être du froid, beaucoup de froid, ce qui pourrait perturber les fonctionnements de certaines gammes de pneus. Les pneus d'ailleurs, les voici avec les super soft à bande rouge, les pneus soft à bande blanche, les pneus médium à bande grise qui vous seront présentés tout au long du Grand Prix. Pas de pneus hard hein, pour cette épreuve. Voici la voiture du régional de l'étape, Felipe Massa, 14e sur la grille de départ. Le Brésilien légèrement déçu hein, de cette performance. Il voulait viser la Q3, mais c'est de plus en plus difficile d'accéder à cette séance. Alors, faut le voir ici, Max Verstappen, qui lui a par contre bien réussi cet exercice de la qualification. Ça le change de partir en fond de grille. Et vous voyez les tribunes toujours aussi couvertes et la ville de Sao Paulo dans le fond de l'image. Allez, ne perdons pas une seconde de plus et découvrons ensemble la grille de départ de cette 20e manche avec Raikkonen en pole aux côtés de Stoffel Vandoorne qui a donc devancé Fernando Alonso. C'est une première information dans la lutte pour le titre. Sébastien Vettel est 4e, je vous le disais, donc les sandwichs McLaren avec le pain Ferrari. Lewis Hamilton est 7e, 9e place pour Daniel Viat. Les deux Haas donc aux portes de la Q3, bien joué
pour les deux pilotes de l'équipe américaine. Julian Palmer qui est assez loin de nouveau. Mais c'est pas mal tout de même, la 15e place pour la Renault et surtout la déception des deux Force India éliminés en Q1. Okay, Jeff, copy. Everything runs right on board. Everything runs right on board. Any information about the weather? Low chance of rain now. If the situation changes, we'll let you know. Allez, vous avez entendu les échanges entre Stoffel Vandoorne et son ingénieur Jeff sur notamment la météo et les menaces qui planent au-dessus du circuit d'Interlagos. Pas de pluie, on a dit du côté de chez McLaren. On va voir si cela va tenir du côté de la direction de course. Pas d'annonce, pas d'alerte, pas de mise en garde concernant une éventuelle pluie qui pourrait s'abattre pendant le Grand Prix. On va peut-être aller vers justement une éclaircie de la météo. Jetons un dernier point sur la grille de départ de ce Grand Prix avec, je vous le disais, les bons élèves. Stoffel Vandoorne, deuxième, qui a donc réussi à battre Fernando Alonso. Et ensuite, on retrouve derrière les deux As. Bravo à les As qui font une fin de saison tonitruante. Là où l'équipe Manor est en train de rejoindre un petit peu le fin fond de cette grille de départ, on retrouve donc avec plaisir les As aux avant-postes, du moins en première moitié de peloton. Et derrière, on notera également la belle performance de la Renault, pardon, de Julian Palmer, 15e place. Juste derrière Massa, une déception, et Perez et Ocon, 18 et 21e. Franchement, les Force India vont devoir travailler. Le départ étant monté ici au Brésil, on laisse les pilotes rejoindre leur position et on entame la procédure du 20e Grand Prix de la saison. Les dernières voitures viennent rejoindre la grille. Le drapeau vert va être présenté dans quelques secondes. Le départ du Grand Prix d'Interlagos avec, sur la gauche de votre image, vous verrez le poleman Kimi Raikkonen, sur la droite Stoffel Vandoorne. Les feux vont s'allumer dans quelques secondes. Voilà, deux feux, trois feux, quatre feux, cinq feux. On roule à Interlagos avec un bon envol de Fernando Alonso depuis la deuxième ligne. Il va peut-être pouvoir prendre à revers Kimi Raikkonen. Il choisit l'extérieur, le pilote espagnol. Il freine à trois de front dans les S de Senna. Et Raikkonen qui garde la tête. Mais Alonso est passé en deuxième position devant Stoffel Vandoorne. C'est important pour le championnat. Derrière, on voit une Toro Rosso à la lutte avec, sans doute, la voiture de Lewis Hamilton qui est en proie à la menace. Toro Rosso s'est passé pour la Toro Rosso. Et le contact derrière, alors qu'on retrouve de nouveau au bout de la ligne droite Vandoorne qui passe devant Alonso. Eh bien, la hiérarchie a été respectée au départ avec donc la tête pour Raikkonen devant Vandoorne, Alonso. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on retrouve Vettel, Hamilton et une lutte opposant la Red Bull de Max Verstappen à, je crois, la Toro Rosso de... Je crois que c'est Daniil Viat qui est là juste devant Bottas. Ensuite, il y a Daniel Ricciardo. Allez, première descente vers le troisième secteur. Et la remontée à l'issue de ce premier tour de course. Raikkonen, Vandoorne, Alonso, c'est le trio de tête. Et donc Vandoorne, titulaire de 301 points au général. Alonso, 282 et Raikkonen, 224. Attention parce que Vandoorne se fait menaçant sur le leader, tout comme derrière. Oh, c'est chaud avec l'une des Red Bull. Ouais, c'est de nouveau Max Verstappen en difficulté. Et on est avec Lewis Hamilton qui a eu quelques soucis, qui va donc remonter le Néerlandais à l'intérieur, peut-être au freinage. Est-ce que ça peut passer pour Hamilton en pneu dur? Oui, c'est passé en tout cas en pneu médium, la gomme la plus dure à disposition des pilotes aujourd'hui à Interlagos. Toujours un œil sur le ciel, très menaçant mais ça tient. Alors que l'on voit une Force India qui est au ralenti derrière. En tout cas, elle a passé assez tardivement le transpondeur sur nos écrans de contrôle. Et nous sommes en caméra embarquée avec Daniel Ricciardo, l'Australien. On remonte un petit peu dans la hiérarchie avec donc désormais le sandwich McLaren qui s'est transformé en sandwich Ferrari. Puisqu'Alonso a cédé la troisième position à Sébastien Vettel. Tout le peloton qui passe
sous nos écrans et devant nous maintenant. Et à chaque passage, la tribune se lève. C'est assez impressionnant toujours ici, le public de passionnés au Brésil. On n'a rien perdu depuis les années Ayrton Senna. Alors que derrière, il y avait un joli dépassement qui était en train de se faire. La réalisation a préféré choisir de rester sur Fernando Alonso, le co-leader du championnat avec Van Dorn, que voici d'ailleurs en tête dans le troisième tour de ce Grand Prix. Avec des pneus soft, comme les voitures qui gravitent autour de lui. Stratégie normalement à deux arrêts. On devrait effectuer deux runs en pneus médium ou un run en pneus médium et un run en pneus soft. Ça dépend selon votre usure de pneumatique et la température de cette même piste. Alors que le soleil fait apparition devant nous, on a quelques rayons qui viennent se heurter à la vitre de notre cabine ici à Interlagos. Retour sur Fernando Alonso, toujours à la lutte derrière les deux Ferrari, avec derrière lui un Valtteri Bottas qui semble-t-il a tendance à vouloir rapidement refaire son retard. Et la Mercedes qui a pris du retard justement en développement face à ses adversaires. À l'entame de ce troisième tour de course, le DRS est disponible alors qu'on revit le départ depuis la voiture de Fernando Alonso. L'Espagnol qui avait tenté l'extérieur, mais c'était un petit peu aller au casse-pipe. Mais il avait tout de même réussi à prendre le meilleur sur Van Dorn avant que celui-ci ne le réattaque au freinage du bout de la ligne droite. Et même avant, voilà Van Dorn qui passait avant même le freinage. Hamilton qui était un des rares pilotes à être parti en pneu médium sur la grille. Bon envol malgré tout, mais il a été perturbé, je crois, enfermé dans les S de Senna. Oui, aux côtés de Carlos Sainz, ouais, il était pourtant bien passé. Et l'Espagnol qui a pris sans doute le meilleur grâce à ses pneus plus tendres. Ça a été chaud là tout de même cette histoire. Allez, avec Julian Palmer maintenant, le Britannique parti de l'arrière du peloton. On a vu une Haas en difficulté, je crois que c'était Kevin Magnussen. Le Danois qui n'était pas du tout à son affaire. Et Palmer qui n'a pas pu en profiter, mais ça a été également compliqué pour le pilote de la Renault, qui, on peut vous en parler, est en sursis d'ailleurs au profit d'un pilote russe. Le départ d'ailleurs depuis la voiture de Van Dorn, intéressant. Et il avait pris un meilleur envol que Sébastien Vettel. C'est à l'intérieur d'autant plus sur la bonne trajectoire, mais à l'extérieur. Raikkonen passe et Alonso, Vettel derrière, avait été déposé au départ, vous l'avez vu dans les rétroviseurs. Et là, l'attaque, hop, on déboîte et on va chercher Alonso. Allez, retour au direct avec le soleil, vous l'avez vu, qui a rejoint le circuit d'Interlagos. Et surtout derrière Van Dorn, eh bien, le gap ne fait que grandir. On tourne comme une horloge du côté de Van Dorn. Ah, c'est ce qu'il doit faire s'il veut aller chercher ce titre de champion du monde, gagner des courses. Ne pas se contenter de faire des comptes d'apothicaire, alors que là, on a la deuxième McLaren qui se porte à la hauteur de Raikkonen, peut-être, pour mettre les deux machines de Woking en tête. C'est fait, voilà Raikkonen qui passe de la tête de course au quatrième rang sur deux tours. Attention, parce qu'il va aller chercher son coéquipier. Vettel qui est bloqué par Raikkonen. Et le Finlandais qui plonge au bout de la ligne droite et qui passe. Et on retrouve donc Van Dorn, Alonso, Raikkonen et Vettel avec juste derrière Lewis Hamilton prêt à bondir. Je crois que derrière ce n'est pas Lewis Hamilton mais bien Valtteri Bottas. Veuillez m'excuser pour cette approximation. Retour sur Van Dorn,
nouveau tour en tête pour le pilote belge. Les premiers arrêts ne vont pas tarder ici à Interlagos. Et eh bien, on rentre du côté de Vendôme. Eh bien, il suffisait de le demander. Alors, je me lève. Ouais, on est près chez McLaren. On est près chez Ferrari et Mercedes où on voit derrière rentrer le pilote le moins bien placé chez Ferrari, peut-être pour profiter d'un tour supplémentaire avec le DRS et tenter de reprendre la tête récupérée provisoirement par Fernando Alonso. L'arrêt de Stoffel Vendôme. Exit, exit now. 2 secondes 7, c'est correct. Ok Jeff, 2 stops remaining. Great stop guys, great stop. Stoffel Vendôme, vous l'avez entendu, qui est plutôt satisfait du travail de ses mécaniciens. Retour en piste au 12e rang derrière Julian Palmer et devant Marcus Ericsson pour Stoffel Vendôme. Donc Ericsson qui s'est donc intercalé entre lui et les deux autres voitures qui étaient à l'arrêt. Donc Vendôme est passé par les box, tout comme la Ferrari, je crois, de Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Puisqu'on retrouve en tête donc Fernando Alonso. Enfin en tête, à la chasse de la tête de course. Et de là vont sans doute rentrer à la fin de ce tour parce qu'ils ont les mêmes gommes. Et ce serait perdre en stratégie que de rester plus longtemps en piste. Et voilà, l'entrée au stand pour les deux hommes de tête. On retrouve donc Raikkonen et Vendôme va reprendre sans doute pas mal de positions. On continue aussi chez Mercedes, hein. Du côté d'Hamilton, lui qui était parti avec les pneus médium. Et on ressort en médium pour Raikkonen. On ressort en soft pour Alonso. Attention, stratégie différente chez McLaren face à ce qui a été sélectionné comme stratégie du côté de chez Ferrari. Derrière, on a une Toro Rosso qui repart en pneus super tendre. C'est le cas également de Romain Grosjean, le français, avec la A. Sans doute trois arrêts pour ces petites équipes. Et retour en piste avec Stoffel Vendôme pris derrière Julian Palmer. Et Vendôme qui doit faire l'extérieur à Palmer. Attention, on prend des risques du côté de Stoffel Vendôme. Et Palmer qui ne doit pas se laisser dépasser. Il a bien raison, le pilote britannique qui défend son paquet, puisque je voulais souffler tout à l'heure dans les oreilles. Sergei Sirotkin, le jeune pilote russe, pourrait venir perturber les installations de la hiérarchie chez Renault. On pourrait donner sa chance à Sergei Sirotkin l'année prochaine, ce qui instaurait également de nouveaux sponsors chez Renault. On parle d'un sponsor espagnol qui ferait son grand retour. Alors j'ai beau avoir fouillé dans les archives de Renault, le seul sponsor espagnol de marque, c'est une marque de téléphonie bien connue qui pourrait refaire surface du côté de chez Renault. Alors que du côté de chez Haas, on s'arrête au box cette fois-ci pour Kevin Magnussen, le Danois, pour un deuxième train de pneumatique. On passe d'un train de pneu tendre à un train super tendre. Alors je le disais donc, Telefonica, cette marque espagnole, bien proche de Flavio Briatore et dans les années Renault, qui pourrait revenir au sein de l'équipe française. Donc ça fait aussi partie des choses qui pourraient revenir l'année prochaine. On vous confirmera tout cela, je pense, du côté d'Abu Dhabi. Vettel pris dans le trafic avec Romain Grosjean ici, qui vient de ressortir des box avec des pneus froids, le français. Vettel qui, au niveau de la stratégie, n'a peut-être pas opté pour l'espace le plus frais sur la piste. Mais bon, à un moment donné, il fallait bien stopper. Ici, on a Vendôme qui est donc derrière Lance Stroll, qui devrait rester l'année prochaine au sein de l'équipe Williams aux côtés de Felipe Massa. Le vétéran ne prendra pas sa retraite, contrairement à ce qui a été dit. Et maintenant, le leader, c'est Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, il est en pneu médium, à bande blanche. Il va donc rouler un peu plus longtemps que ses petits camarades. Ça peut peut-être lui éviter de perdre énormément de temps dans le trafic. On n'a pas mis ses œufs dans le même panier du côté de chez Mercedes. Et c'est sans doute la stratégie la plus intelligente. Une 13-365, record du tour en course pour Stoffel Vendôme qui tourne comme une horloge sur ce tracé d'Interlagos. Et le pilote belge qui semble bien à son affaire. Il va de nouveau devoir faire avec le trafic et les manors, hein, qui sont toujours présentes devant lui. Ah ben, on change de voiture, on fait quelques mètres plus en avant avec Lance Stroll, le Canadien dont je vous parlais de l'avenir, qui devrait sans doute rester un an de plus au sein de l'équipe Williams. Alors il y a pas mal de changements qui vont s'opérer dans la grille de l'année prochaine. Vendôme à l'extérieur, oh c'est joli, il va prendre également un revers. Attention, Vendôme dans les pneus, il va frôler
de pneus. Est-ce qu'il y a des dégâts sur cette McLaren? En tout cas, la Manor ne l'a sans doute pas vu au moment où il attaquait à l'extérieur. Il a reperdu la place qu'il venait de gagner sur Lance Stroll. Est-ce que cette voiture est endommagée? On dirait que non, mais grosse frayeur chez le leader du championnat. Et la télémétrie nous indique bien que la voiture est au beau fixe. Mais quelle frayeur pour lui s'il avait perdu 25 points avec un Alonso potentiellement sur le podium. On ouvre la pit window du côté de Van Dorn. Et ce deuxième relais en pneus soft. Mais quelle frayeur de la part du pilote belge. Allez, il va aller chercher sans doute Lance Stroll avec l'aide du DRS. Oh, il plonge sur Stroll. Oh, il le touche. Et il ne comprend pas qu'il laisse la porte ouverte. Et qu'ensuite, il la referme. Van Dorn qui a plongé de très très loin. C'était osé. Alors là, maintenant, retour sur Arianto. Jeff, I'm wasting too much time behind this manor. Are there risks to the strategy? Oh, et de nouveau, c'est chaud avec la manor, mais c'est passé. Alors, Van Dorn qui disait à la radio, de manière très calme, on sent que la voix de Van Dorn est très posée. C'était large, encore une fois. Van Dorn qui est très calme, très posé, presque un peu... Voix très posée pour Van Dorn qui dit: est-ce que ces manors vont me faire ruiner ma stratégie? Je perds beaucoup de temps. Ok Jeff, copy, box this lap, box this lap. Et on demande de rentrer au box ce tour-ci pour Van Dorn. Alors que regardez derrière dans le trafic, les Ferrari qui souffrent. Et c'est pas la seule, hein, celle de Vettel. Voilà, avec devant on voit une Red Bull également en difficulté. Je crois que c'est Verstappen. Ouais, tous ceux qui ont mis les pneus durs. Alors, il y a aussi une rumeur qui court. Énormément de gens l'ont confirmé au sein de chez Ferrari. Il y aurait bien une équipe B l'année prochaine. Parce que vous le savez, dans les structures de jeunes pilotes, il y a l'équipe McLaren qui a sa structure. Mercedes suit ses pilotes. Il y a la Ferrari Academy, etc., etc. Et au sein de la Ferrari Academy, cette année, on a eu droit à deux perles qui se sont illustrées, Antonio Giovinazzi et Charles Leclerc. Et il se pourrait que Ferrari augmente son partenariat avec Alfa Romeo et crée, entre guillemets, une équipe B. Alors, il n'y a pas d'inscription pour une nouvelle équipe, mais ce serait bien un rachat. Alors, on parle de rachat, évidemment. À l'heure où Sauber est en difficulté avec le moteur Ferrari, est-ce que Sauber ne pourrait pas finalement ne pas rejoindre l'équipe Honda, mais bien rester chez Ferrari, être racheté, en tout cas une part de l'équipe Sauber rachetée par Ferrari, en faire une structure Alfa Romeo? Ça n'est pas impossible de voir cela, puisqu'on l'a déjà vu dans le passé. Ferrari sait se donner les moyens de donner la chance à ses jeunes talents. Ça a été le cas avec Jules Bianchi, qui a été à l'époque placé chez Manor, on s'en rappelle. Et bien, pourquoi pas voir débarquer deux jeunes pilotes de la Ferrari Academy dans une équipe B? Puisqu'on le sait, BMW va se retirer à la fin de la saison. BMW qui n'était qu'un sponsor de l'équipe Sauber, non pas un suppléant technique. Alors qu'il y a des arrêts avec Ricardo au box, on voit une Force India aussi. Voilà, Pascal Wehrlein, on parlait justement des Sauber. Alors qu'on est très lent, voilà, ça repart du côté de l'équipe suisse qui pourrait donc devenir une équipe italienne, Alfa Romeo. Allez, chez Renault, Hülkenberg qui lui a déjà son contrat pour l'année prochaine ne se pose pas de questions. Il continue le travail de développement de cette voiture. Lui qui sera sans doute joint l'année prochaine par le pilote russe Sergei Sirotkin. Van Dorn chez McLaren, ça n'est pas non plus une rumeur, ça serait donc confirmé aux côtés de Fernando Alonso. Et l'arrêt au box, l'arrêt de la voiture de Van Dorn qui était repassée en tête. Alors attention, parce que derrière Alonso est également en pneu soft. Et Alonso qui prend la tête du Grand Prix devant Kimi Raikkonen. Ah, on retrouve les Ferrari et les McLaren à la lutte. L'arrêt de Van Dorn qui va chausser des pneus médiums pour aller au bout de ce Grand Prix du Brésil. C'est fait, dernier arrêt, 2 secondes 8. Alors qu'ici Lewis Hamilton est à la bagarre avec, semble-t-il, l'une des manors. Qui est-ce? Et on est tous les deux à pneus médiums, c'est Esteban Gutiérrez. Ici, attention, c'est chaud. Et finalement, la Mercedes qui passe. Et regardez, Van Dorn qui arrive là en plein milieu du champ de bataille. À la Toro Rosso également, on est à 3 de front quasiment. Et la Toro Rosso qui va finalement passer. Van Dorn derrière tout ce monde a perdu beaucoup de temps. Attention, il est de nouveau derrière Gutiérrez. Il n'aime pas être derrière les manors, il les aura vus aujourd'hui.
On est avec le Mexicain Esteban Gutiérrez dans les points pour le moment, mais c'est évidemment dû à la stratégie décalée de l'équipe Manor. Alors on a parlé un petit peu de tout le monde dans l'avenir de cette saison 2018 qui se profile. Renault devrait avoir donc un nouveau sponsor et sans doute Sergei Sirotkin au volant. On devrait avoir Alfa Romeo qui reviendrait en Formule 1 par le rachat de Sauber pour placer les deux jeunes pilotes de chez Ferrari, donc Giovinazzi et Charles Leclerc. Et on a également évoqué l'avenir. Donc chez Ferrari, ça ne bougerait pas. Chez Mercedes non plus, du coup. Chez McLaren non plus. Chez Williams non plus. And once again, I'm stuck behind one of these fucking manos. Ah, le langage, désolé pour ça. Je pense qu'à la FIA, on a oublié de biper le langage fleuri devant Dorn qui dit je suis encore bloqué, coincé derrière cette foutue manor, on va dire ça comme ça, hein, cette satanée manor. En tout cas, c'est vrai que Van Dorn aura vu l'arrière des deux machines vertes pendant tout le Grand Prix. Alors l'année prochaine, cette équipe que l'on a à l'image avec son pilote Esteban Gutiérrez, eh bien, devrait certainement disparaître, on le sait, après l'abandon de la structure par Mercedes, hein, qui en avait fait un junior team. Un peu à l'image de ce que Ferrari va faire avec Alfa l'année prochaine. Attention, Van Dorn qui perd du temps. Van Dorn qui est en train de faire un deuxième relais catastrophique. Il attaque à l'extérieur la voiture de Gutiérrez dans la descente. Oh, c'est chaud! Et Gutiérrez qui résiste, hein, il joue sa carte. Ouais, le petit push! Alors qu'Alonso est au box. Oh là 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 là, ça chauffe, ça barde du côté de Van Dorn. Allez, le DRS à l'extérieur pour aller éliminer cette manœuvre. Incroyable la vitesse de pointe de cette petite machine. Là, on a trois pilotes de front. Est-ce que Vettel est en train de faire le hold-up? Non, blocage de roue pour Van Dorn qui part à l'extérieur de la piste. Il revient toujours devant Vettel. On est à la barbe de la Ferrari. Derrière, il y a évidemment Fernando Alonso qui vient de sortir des pneus frais de ses couvertures lors de son dernier arrêt au box au tour précédent. Et là, regardez, on a donc Van Dorn, Vettel et Alonso dans un mouchoir de poche. Van Dorn qui s'est loupé, mais qui va mieux réaccélérer. Il va de nouveau tenter l'extérieur sur la manœuvre comme tout à l'heure, mais ça n'était pas passé. Et cette fois-ci, ça passe au chausse-pied, la manœuvre qui ne veut pas s'écarter, incroyable. Van Dorn qui doit se battre pour rester devant son équipier. Très très important cette bagarre pour le championnat. Attention parce que là Vettel n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Gutiérrez qui défend en chèrement sa peau. On est dans les points. Oh, le blocage de roue, vous l'avez vu. Et le panache de fumée qui vient juste devant le regard de Sébastien Vettel. Allez, le DRS pour ces deux-là. Ça va sans doute se jouer à l'aspiration. Vettel qui déboîte, dépassement d'école pour le pilote de la Ferrari. Mais ça ne suffit pas. Et retour en caméra embarquée avec Van Dorn, désormais 5e de ce Grand Prix du Brésil, dont d'ailleurs la hiérarchie actuelle donnerait encore un avantage au pilote belge. Okay, gap ahead is 2.4 seconds. Jeff, stop talking to me in the middle of a corner. I'm almost go off track. Et oui, Van Dorn qui est parti à la faute parce que son ingénieur lui parlait en plein milieu d'un virage. Allez, on revient sur la lutte avec les deux McLaren et la Ferrari. Avec comme cerise sur le gâteau la manœuvre, hein, dans le lot. Allez, est-ce que c'est passé pour Vettel? Non, toujours pas au freinage. Toujours pas au freinage. Et derrière, la liste des pilotes qui attendent est en train d'augmenter au fur et à mesure des tours. Allez, Vettel à l'attaque. Et ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer pour Sébastien Vettel, étant donné que la manœuvre a également le DRS grâce à Van Dorn.
Vandoorne qui d'ailleurs n'est pas en train d'exploser la concurrence. Il reste devant la Manor mais ne va pas forcément beaucoup plus vite. Parce qu'il sait que tant que la Manor a le DRS, eh bien Vettel ne pourra pas passer, ni lui, mais surtout pas Alonso derrière. L'autre Manor, celle de Rio Oriente, suit la cadence. Comme les deux As, la Williams de Lance Stroll, toujours à la bagarre avec Sergio Perez. Et ça y est, Van Dorn qui a désormais plus d'une seconde d'avance sur la Manor, de quoi aider peut-être Vettel et Alonso à dépasser l'ouverture du DRS. Voilà, maintenant pour la Ferrari qui devrait faire une seule bouchée de pas de la Manor. Ouais, c'est pas simple quand même, hein. Et Gutiérrez qui résiste. Ouais, ils sont côte à côte dans les S de Senna. Et finalement, je crois que Vettel va garder l'intérieur. Ils sont côte à côte, nouveau DRS pour Vettel. Ça devrait aider la Ferrari à passer. Non, la Manor reste devant, mais c'est Alonso qui va faire l'extérieur à Vettel peut-être. Non, ça ne passe pas. Gutiérrez qui est toujours devant. Les Manors qui font un Grand Prix somptueux pour le moment. Et regardez le peloton derrière qui se regroupe. Allez, avec Arianto, l'équipier de Gutiérrez qui pour l'instant fait un bouchon monumental. De quoi aider. Oh, le contact, attention avec Vettel pour Arianto dans le deuxième secteur. Elles sont folles ces Manors. Elles sont absolument folles, ces Manors, dans le milieu du peloton. Et avec le temps perdu par Van Dorn et ses petits camarades, pour l'instant, Raikkonen est peut-être en train d'aller chercher une deuxième victoire consécutive. Il reste 16 tours dans ce Grand Prix. Et Raikkonen a une avance très confortable. On donne les écarts à Van Dorn. Arrêt de Vettel. L'arrêt de Sébastien Vettel qui rechausse des pneus super tendres pour peut-être créer un undercut et en profiter en fin de course. Attention, voiture arrêtée au poste numéro 5. C'est en bas des S de Senna. Qu'est-ce qui s'est passé? Voiture arrêtée au poste numéro 5. Ouais, c'est une Manor. Attention, il y a une Manor qui est sortie de la piste. C'est Gutiérrez. Ah, Esteban Gutiérrez qui a perdu son museau. Alors, est-ce qu'il a été victime de la fougue d'un autre pilote? Mais c'est terminé. Ah, c'est dommage. Les Manors faisaient une très belle course avec une stratégie intelligente. Eh bien, ils ont déjà perdu une carte. Attention, deuxième arrêt. Cette fois-ci, c'est Raikkonen qui chausse des pneus super tendres pour aller au bout de la course. Stratégie similaire pour les deux pilotes Ferrari, mais pas au même endroit dans le peloton. Raikkonen va ressortir sans doute devant ses petits camarades. On voit Alonso sur la droite de l'image. On l'a aperçu. Voilà, c'est Van Dorn qui est là aussi dans la lutte. Et Van Dorn qui ressort devant Kimi Raikkonen. La McLaren est virtuellement en tête du Grand Prix. Mais Raikkonen est en pneu super tendre. Ça va être difficile de résister pour Stoffel Van Dorn. Et la comparaison va être intéressante entre les deux voitures. Alors que ça rentre au box pour la Toro Rosso, qui était la mieux placée des deux machines de Faenza. Ça rentre également derrière pour, je crois, l'une des Sauber BMW. Non, c'est une Williams, autant pour moi. Les mécaniciens sont également en blanc. C'est Lance Stroll qui chausse de nouveau un train de pneus super tendre. Stratégie donc similaire. Certains étaient partis en pneus soft, ensuite en pneus médium et enfin un dernier relais en super tendre, histoire d'aller, pourquoi pas, chercher l'une des places d'honneur, pardon, récupérant ainsi quelques points importants. Allez, ici on a Julian Palmer à l'attaque. C'est, je crois, Max Verstappen, le néerlandais, à l'intérieur et ça passe pour... Attention, du côté de Van Dorn, on indique qu'on va perdre un petit peu de puissance du côté du moteur. Ça paraît quand même assez tôt, hein. Il n'y a que 22 tours dans ce Grand Prix. On a entreaperçu le passage de la voiture de Lewis Hamilton devant nous. Alors que là, attention à Kimi Raikkonen qui est attaqué par de nouveau une Manor.
Mais c'est Gutiérrez qui essaie de se dédoubler puisque Gutiérrez a été poussé tout à l'heure. Attention parce qu'Alonso arrive et il a le DRS. Et Alonso qui va peut-être créer la troisième ligne. L'espagnol à l'intérieur, est-ce que ça peut passer? Alonso qui va mettre tout le monde d'accord et c'est passé. Formidable manœuvre de la McLaren qui se débarrasse des deux pilotes devant elle en une ligne droite. Mais quelle manœuvre de Fernando Alonso, bien joué de la part de l'Espagnol. Ah, il s'en passe des choses. Arrêt chez Sauber pour Marcus Ericsson qui chose de nouveau des super tendres. Et on lâche le pilote suédois. Arrêt d'Hülkenberg avec la Renault. Arrêt d'Hülkenberg avec la Renault pour également chausser cette stratégie qui a bien fonctionné dans le peloton. Hein, avec désormais des pilotes qui tournent très très vite pour les 10 derniers tours de course. On va avoir droit un run jusqu'au drapeau à damier avec donc Hamilton en tête, mais il y a encore des arrêts à faire. Du côté d'Hülkenberg, il y a des soucis sur la Renault du pilote allemand, pardon. La Renault du Britannique, elle est plus loin, c'est celle de Palmer. Alors qu'ici on retrouve Ricardo avec, je crois, Viat. Et Daniel Viat qui va faire l'intérieur à Ricardo. Non, c'est Sainz, pardon. Décidément, on a très difficile à distinguer. Et c'est bien Max Verstappen. Donc c'est ce que j'allais vous dire en fait, c'est que depuis le début de cette saison, les casques chez Toro Rosso et chez Red Bull sont à calvaire pour les distinguer de loin. Donc, excusez-moi pour cette erreur, ce n'est donc pas Viat, Ricardo qui sont d'ailleurs proches hein, en piste, mais bien Verstappen face à Sainz. Allez, Van Dorn, deuxième derrière Lewis Hamilton en tête, troisième place pour Alonso. Van Dorn qui mettrait donc ainsi 18 unités, reprenant 3 points à Alonso. Et Van Dorn au box, le dernier arrêt du pilote belge. On n'aura donc pas été au bout avec les pneus médiums. Deuxième train de médium pour Van Dorn. C'est peut-être l'arrêt de trop. Et le retour en piste de Van Dorn qui s'effectuera au cinquième rang de ce Grand Prix, sans doute. Je crois qu'il est juste devant Sébastien Vettel. Et attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de tours et Van Dorn doit mettre ses pneus à température. Alonso est donc maintenant avec beaucoup plus de points que son coéquipier. Il rentre. Et l'arrêt de la deuxième McLaren et Neil Manor également qui observera un stop. Attention à ne pas être gêné du côté d'Alonso. Il va peut-être perdre du temps, le temps nécessaire à laisser passer la Manor. Ouais, il perd un peu de temps quand même Alonso sur cette manœuvre. Mais on repart avec un deuxième train de pneus médium du côté de l'Espagnol. Allez, le retour en piste. Est-ce qu'il va être devant ou derrière son équipier? C'est la question. Et juste derrière Van Dorn. Ah, ça s'annonce intriguant cette fin de Grand Prix avec là Alonso qui tout de suite, regardez, est plus rapide, il est à peine sorti, les pneus sont pas chauds, il est déjà plus rapide que Van Dorn. Van Dorn très large sur certains virages. La pression sur les épaules du jeune Belge peut-être. On est au 27e des 36 tours. Une seconde d'avance sur Alonso. Mais ça c'était tout à l'heure. Alonso qui est beaucoup plus rapide à 6 dixièmes. Le DRS pour
la McLaren de l'Espagnol qui se porte quasiment à la hauteur de son équipier. Et Alonso qui ne va pas attaquer tout de suite dans les S de Senna. Je pense qu'il aura très simple d'aller chercher son équipier dans la ligne droite qui suit. Ouais, Van Dorn qui est en grosse difficulté. La relance qui est bien meilleure du côté de Fernando Alonso. Le DRS pour l'Espagnol. Et ça passe. Alonso qui s'infiltre et Vettel aussi. Vettel aussi à l'intérieur peut-être. Oh non, Van Dorn qui referme la porte juste devant le museau de la Ferrari, du pilote allemand. Énormément de débris hein, sur les caméras depuis le début de ce Grand Prix. Beaucoup de marbles. Allez, rebelote avec Van Dorn. Van Dorn qui est donc maintenant derrière Alonso. Il perd des points sur son adversaire au championnat. Regardez Van Dorn qui est très très large. C'est intriguant cette trajectoire du côté du pilote belge. Sans doute un souci. Les pneus ne peuvent pas déjà être en fin de vie. Ce sont des pneus médiums. Ils ont une longue durée de vie justement. Oh, c'est large pour Van Dorn qui a été mettre deux roues dans l'herbe au freinage des S de Senna. Est-ce que ce sera la manœuvre de trop pour le Belge qui désormais est en train de perdre du temps sur un Alonso qui attaque et la Toro Rosso qui passe. Quelle facilité de dépassement pour Alonso avec ses pneus neufs. Et Alonso qui efface donc la Toro Rosso de son chemin, gagnant ainsi des points supplémentaires. Et Alonso est donc bien installé maintenant. Attention parce que là, on a Carlos Sainz et il ne peut pas résister. Van Dorn passe. Sainz qui a un souci avec ses pneus durs visiblement. Une demi-seconde, voilà ce qui sépare Alonso de Van Dorn. Mais surtout, c'est un écart de points, de 2 points entre les deux hommes. 12 points inscrits pour Alonso, 10 pour Van Dorn. Alonso qui inscrit le meilleur tour en course en 1-12, juste devant le public. Et vous l'entendez, la foule est en train de s'énerver ici à Interlagos. Jeff, I don't care about the car behind. Just tell me the gap between me and Alonso in every lap. Every lap, please. Côté de Van Dorn, le message est clair. Je ne veux pas savoir l'écart avec la voiture qui me suit. Je veux savoir l'écart avec Fernando et uniquement avec Fernando à chaque tour. Alors évidemment, les pilotes ont ces informations sur le volant. Mais parfois, dans la concentration, il est plus simple de le recevoir, ce détail, de manière auditive. Voilà les prédictions avec Van Dorn qui mettrait donc 12 points, 15 points pour Alonso. Ça mettrait donc 313 unités pour Van Dorn et 297 pour Alonso. Ça ferait donc 16 points d'écart. De quoi nous promettre un Grand Prix d'Abu Dhabi des plus prometteurs, surtout s'il y a lutte entre les deux hommes. Rendez-vous compte, Stoffel Vandoorne, l'année dernière, première victoire en Autriche. Et cette année, après un développement incroyable aux côtés d'Alonso, potentiellement champion du monde. La Belgique n'a jamais connu de pilote champion du monde. En 1970, Jacques Hicks avait terminé et derrière Jürgen Rindt au classement, ce dernier ayant été déclaré champion du monde après son décès à Monza. Il y a eu bien sûr énormément de pilotes belges en Formule 1. On avait cité certains de ses compatriotes par le passé, comme Jérôme D'Ambrosio, Bas Lenders, Thierry Boutsen, Philippe Adams par exemple. Ou encore, si l'on remonte dans le temps, donc Jacques Hicks, Paul Frère également. Il y a eu énormément de grands pilotes belges en Formule 1. Toujours avec la bonne voiture, pas toujours avec le bon timing. Mais la nation belge est l'une des
petites nations les mieux représentées. L'attaque à l'extérieur de Van Dorn qui passe l'une des Force India. Les Force India qui sont absolument à l'arrêt dans ce 20e Grand Prix de la saison. Il y a eu un blocage de roue dans le premier S avec encore une fois les deux Sauber BMW qui se battent. Les deux Sauber qui étaient à la bagarre, je crois, ou alors il y a une Williams dans l'affaire, mais en tout cas deux voitures blanches. Allez, revenons au 33e tour de course en compagnie d'Alonso, chassé par Van Dorn. Et Van Dorn qui ne peut rien faire pour aller chercher son coéquipier, sachant que son moteur a déjà quelques petits soucis. On est en fin de saison, il y a beaucoup de moteurs de pilotes fatigués. Alors Christian Ricciardo avec une As, semble-t-il. Celle de Romain Grosjean, toujours avec une Manor. Ils sont dans tous les bons coups aujourd'hui. Hein. Les pilotes Manor. Et derrière, il y a Toro Rosso. Allez, ça passe au DRS pour la voiture de Rio Arianto sur Sergio Perez. C'est passé pour le pilote indonésien. D'ailleurs, si il y a rachat de l'équipe Manor l'année prochaine par Jaguar, pourrait rester dans le line-up. Mais un jeune pilote britannique devrait faire son retour en Formule 1. Vous l'avez vu déjà chez Manor l'année dernière, Jordan King. Jaguar qui se dit tout d'abord vouloir apprendre la Formule 1 avant de véritablement se battre pour gagner. On rappelle que l'équipe Jaguar était tout d'abord Minardi. A été racheté par Toro Rosso après que Jaguar ait été racheté par Red Bull. On s'en souvient, c'était en 2005 et donc Jaguar pourrait revenir par la petite porte. Allez, l'aspiration de Daniil Gyat dans la ligne droite principale, peut-être sur Daniel Ricciardo. Romain Grosjean devant, Sergio Perez est tout au fond de l'image, l'Indonésien Arianto dont je parlais il y a quelques instants. Fiat qui pourrait d'ailleurs laisser également son baquet à un certain Pierre Gasly. Attention parce que Van Dorn a fait la jonction. Il va rester deux tours à Stoffel Van Dorn pour peut-être aller chercher des points supplémentaires face à Alonso, alors que devant, le leader de ce Grand Prix est toujours bien installé. La Ferrari de Kimi Raikkonen va sans doute s'imposer ici au Brésil. Il reste moins de deux boucles. Attention parce que Van Dorn fait le tour le plus rapide. Est-ce qu'il va plonger? Non. Il n'a pas pu plonger face à Alonso, mais il donne tout, le pilote belge. D'ailleurs, c'est lui qui vient de rentrer le meilleur tour en course. Alonso va-t-il résister? C'est très important pour le championnat. Et là, Van Dorn qui a perdu du temps. Je pense qu'Alonso va garder sa position. On voit mal comment Van Dorn pourrait regagner ce qu'il vient de perdre là sur Alonso. Même si on sait qu'il est plus à l'aise dans le deuxième partiel que le pilote espagnol. Alors que derrière, Ricciardo est toujours à la lutte avec la voiture de Romain Grosjean. Alors que devant, ça se repasse pour Perez et Arianto. Raikkonen en tête du Grand Prix du Brésil. Dernier tour pour le pilote finlandais. Il vient de passer devant nous. Dernière boucle pour les hommes de tête. Alonso 3e. Et Van Dorn 4e, ça semble être le résultat final de ce Grand Prix. Mais il reste un tour, ne parlons pas trop vite, ne partons pas trop vite en besogne. Il y a une voiture au ralenti là-bas devant. Il y a une voiture au drapeau bleu devant Fernando Alonso. Deux voitures, il y a... Alors, est-ce que c'est encore une Manor? Si c'est le cas, je pense que Van Dorn va devenir complètement fou. Attention parce que ces voitures ont leur importance dans la lutte, puisque là Alonso a perdu du temps. Alonso a perdu du temps, il s'agit d'une Sauber, les deux Sauber qui se battent de nouveau.
Attention, est-ce que Van Dorn ne peut passer dans ce dernier tour à l'extérieur? Oh, attention, le changement de ligne pour aller chercher l'extérieur sur Marcus Ericsson. Et le contact, Ericsson en tête à queue et Van Dorn dans l'herbe. Incroyable! Van Dorn qui a refermé la porte et Marcus Ericsson qui peut repartir, mais il y a eu la tête à queue. Contact entre les deux voitures et donc ce sera la victoire pour Kimi Räikkönen devant Lewis Hamilton et troisième place pour Fernando Alonso. Voilà, quatrième position pour Van Dorn, mais à quel prix? À quel prix pour le pilote belge? Yes, Jeff, I'm unhappy too because the second stint was absolutely awful with too much car to overtake and too much time lost. So, yeah, we have to wait at the last race to know who will be the world champion. So, interesting. Et toujours très philosophique, hein, Van Dorn à la radio qui a été très très calme hein, ce week-end. Qui dit ça n'était pas notre week-end, ça n'était pas notre Grand Prix. Mais il a quand même conservé le principal, c'est-à-dire... les 16 points d'avance pour rejoindre Abu Dhabi en tête. Le podium avec donc 3 voitures différentes. Et est-ce que ça ne serait pas ça finalement la hiérarchie de l'année prochaine? Le trophée du vainqueur soulevé par Kimi Räikkönen. Victoire donc pour le Finlandais. On vous rappelle évidemment que vous pouvez voter pour votre driver of the day dans la description. N'hésitez pas à élire le pilote qui vous aura marqué tout au long de ce Grand Prix du Brésil. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va tout de suite faire le point au classement avant la dernière épreuve. Les résultats donc de cette course avec donc la très jolie deuxième place d'Hamilton qui aura fait le coup stratégique comme Räikkönen de 2 arrêts, 3 stops quand même pour les McLaren, c'est pas mal. On retrouve également avec 3 stops Valtteri Bottas qui a chuté. Belle performance donc de Magnussen et de Perez. Romain Grosjean échoue aux portes des points. 16 points, c'est ce qui sépare Van Dorn d'Alonso avant la dernière course. Et ce sera donc du côté d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. On vous donne rendez-vous très vite pour vivre donc le dernier Grand Prix de cette saison 2017 qui aura donc tenu toutes ses promesses. On lèvera le voile sur pas mal d'informations concernant 2018 avec notamment la conservation de Van Dorn et de Alonso chez McLaren. Merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et rendez-vous pour la troisième et dernière partie, la plus importante de cette saison 2017, le final à Abu Dhabi. Salut !